La voiture de l'année 2024, c'est ce nouveau Renault Scénic E-Tech 100% électrique. Il était difficile de s'imaginer en 1996, lors du lancement de la toute première génération du Scénic, que le monospace allait devenir un crossover en 2016 et un SUV 100% électrique 28 ans après son lancement. Et oui, en effet, il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, vous allez le voir surtout sur les technologies embarquées. D'autant plus que cette version 100% électrique, c'est le premier véhicule 100% électrique qui dépasse les 600 km d'autonomie et qui bénéficie du bonus écologique en 2024 en France. Je reviendrai là-dessus en détail dans quelques instants. Est-ce que cette autonomie, cette nouveauté, ce nouveau design et le fait qu'il ait été élu voiture de l'année va lui permettre de prétendre à la première place de la catégorie très prisée en 2024 des SUV compacts 100% électriques? Mais vous allez voir que rien n'est si sûr, car il y a un de ses concurrents, un certain Peugeot i3008, qui a lui aussi énormément d'ambition. Ça va pas être du tout simple pour cette nouvelle génération du Scénic pour s'imposer, mais je répondrai à toutes ces questions en fin de vidéo. Et bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toutes ces caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mes sensations, mes impressions sur son comportement routier. Et puis, je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à cette question. Sur YouTube, les amis, je tenais à vous remercier pour votre soutien et puis surtout pour tous vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, hein, ça m'aide énormément. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, hein, que je diffuse une vidéo, n'oubliez pas. Et en ce moment, j'en diffuse plusieurs par semaine. Donc soyez présents, activez cette fameuse cloche de notification pour être prévenu. Et sur Instagram et TikTok, sur mes comptes Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez, vous abonnez. Puis moi, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Une chose pratique lorsque vous êtes en voiture électrique, c'est bien sûr avoir les bons passes de recharge. Pour ceux qui ont déjà fait des longs trajets en voiture électrique, vous avez déjà dû avoir quelques petits problèmes, quelques petits soucis pour vous recharger. Alors souvent, il y a beaucoup de bornes de recharge en France qui sont disponibles, il faut flasher un QR code. Donc vous flashez le QR code, ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas accéder à un site internet, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, vous essayez de payer avec votre carte bancaire et ça ne fonctionne pas. Vous essayez d'appeler l'opérateur, ça dure plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Et même lorsque ça fonctionne, vous n'arrivez pas à récupérer votre justificatif pour votre société ou votre employeur. Donc ça peut être assez embêtant et ça peut vous faire perdre énormément de temps. Il y a un pass qui existe, c'est le pass de recharge Ulysse. Ça coûte 19,90€. Ça, vous le payez une seule fois, c'est pas un abonnement. Vous payez une seule fois, c'est 19,90€. Et ensuite, vous avez accès aux recharges. Là, par exemple, je suis sur une borne Engie et je vais pouvoir me recharger hyper facilement. Donc pour ce faire, vous avez juste à ouvrir votre trappe. Ensuite, vous badgez. Là, je sélectionne la borne. Là, je vais badger. Je tiens ma carte de recharge devant le lecteur. Là, je vais connecter au véhicule de cette manière. Et là, hop, c'est parti. C'est relié au véhicule. La connexion se fait immédiatement. Et surtout, si vous avez un quelconque problème avec un opérateur, c'est pas à vous de le gérer. Ça va être Ulysse qui va s'en occuper et gérer toute la partie administrative si nécessaire. Alors, le point qui est assez vertueux aussi, c'est le fait de pouvoir récupérer via l'application Ulysse l'ensemble de ses factures directement en ligne. Ça aussi, c'est super pratique. Et vous pouvez aussi, sur les longs trajets, localiser les bornes de recharge qui vont se trouver sur votre itinéraire. Donc là aussi, d'un point de vue pratique, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Bref, 19,90€ pour être tranquille, je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, je vais pouvoir vous détailler ce nouveau Renault Scénic E-Tech. Alors Scénic, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appris ça en préparant cette vidéo, figurez-vous. Je ne le savais pas, hein. Depuis 28 ans que j'ai vu la naissance de la première génération en 96. Alors Scénic, ça veut dire Safety Concept Embodied in a New Innovative Car. Alors forcément, c'est beaucoup plus simple de dire Scénic que toute cette phrase à rallonge. Alors bien sûr, en termes d'innovation, si je reprends cette phrase, rien qu'en termes de design, il y a une évolution qui est plus que marquante. À titre personnel, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout fan des anciennes générations du Scénic. Je trouvais les formes un peu disgracieuses et surtout j'avais du mal à avoir de l'attractivité visuelle et esthétique pour ce modèle de voiture. Pour moi, c'est un SUV qui a de la gueule, qui a vraiment un look qui a été très bien travaillé, notamment avec ce toit noir. On a une caméra en haut du pare-brise pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et aussi les feux de route adaptatifs. Ensuite, ce capot assez ciselé avec des longues lignes longitudinales sur les flancs. Des projecteurs qui sont scindés en deux parties, une partie supérieure
avec des projecteurs full LED Adaptive Vision et la partie inférieure pour les feux de jour avec cette forme en demi-losange. Calandre pleine avec la reprise de la forme du logo Renault en noir brillant et aussi en couleur carrosserie sur les extrémités. Franchement, ça lui va bien. Et puis, bien sûr, on a le nouveau logo Renault en Ice Black, là aussi, qui s'insère parfaitement dans ce design futuriste, contemporain. Je dirais même un petit peu disruptif par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment chez Renault. Et la partie inférieure du bouclier avant, elle est avec des éléments en plastique noir, mais aussi du gris satin. Il est clair que là, il marque un pas par rapport à leur histoire, par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir chez Renault. La prise de risque, elle est énorme. On a vu ces dernières années que sur beaucoup de modèles Renault, la marque française n'hésitait pas à chambouler son histoire, son ADN. Je parle bien en termes de design. Et encore une fois, on le constate sur cette nouvelle génération du Renault Scénic. Je ne vous aurais pas dit ça avant. Maintenant, c'est une voiture dans laquelle je pourrais rouler sans aucun souci au quotidien pour un daily. On va y revenir sur la partie de l'essai routier. Mais l'avant du véhicule est super réussi. J'ai pas l'habitude de dire ça sur des SUV, hein. C'est pas la catégorie de voiture que j'adore le plus. Moi, je suis un fan de voitures sportives et de berlines haute performance. Mais alors là, celui-ci, franchement, il fait envie. Des jantes diamantées bicolores d'une taille de 20 pouces avec du vernis fumé qui lui vont assez bien dans cette finition Esprit Alpine avec le badge Esprit Alpine sur les flancs juste ici. Il y a des disques de frein d'une taille de 350 mm à l'avant, 330 mm sur la partie arrière. Des arches de roue jupe latérale qui sont en plastique noir. Juste au-dessus des jupes latérales, on a cet insert décoratif qui est en gris satin. Sachez qu'il y a 6 teintes disponibles sur la finition Esprit Alpine, dont ce gris schiste satin avec toit noir, facturé tout de même 2200 euros. Alors là, on n'est pas sur un covering, on est sur une vraie peinture mate. Ça lui va assez bien, je trouve, surtout avec le toit noir et les coques de rétroviseur qui sont noires sur notre modèle. Sachez qu'en option, vous pourrez choisir d'autres couleurs de coques de rétroviseur. Les rétroviseurs, ils sont dégivrants, électriques et rabattables électriquement. Il y a le répétiteur de clignotant et aussi les caméras juste ici pour utiliser ce système de caméra avec la vue 360 degrés et aussi cette vue aérienne qui sera disponible via l'écran d'infodivertissement. Je vous montrerai un tout petit peu plus tard. Encerclement des fenêtres en noir, barre de toit noir, là aussi. Vitres arrière et lunettes arrière qui sont surteintées. On a des poignées de porte qui sont affleurantes en couleur carrosserie. Là aussi, c'est assez joli. Il faut savoir que l'aérodynamique du nouveau Scénic a été énormément travaillée puisqu'on a un CX de 0,30. Alors comment ils sont arrivés à ça? Déjà, ils ont travaillé l'entrée d'air centrale. Ils ont également abaissé le véhicule, installé ces poignées de porte affleurantes, aussi équipé ce véhicule de jantes aérodynamiques. Et ils ont également travaillé les flancs arrière du véhicule pour améliorer la circulation du flux d'air. Sur la partie arrière, on a un becquet arrière qui est en noir, qui reprend bien sûr la couleur du toit, avec des encerclements latéraux, là aussi en noir brillant. Lunette arrière qui est chauffante, on a un essuie-glace qui est situé sur le bas de la lunette arrière, ils auraient dû le cacher sous ce becquet qui intègre bien sûr le troisième feu stop, ça aurait été plus harmonieux. Ensuite, l'arrière est plutôt réussi, avec un design très ciselé des feux arrière qui sont à LED, avec un pli qui se termine au milieu du haillon du véhicule. On retrouve le nouveau logo Renault en Ice Black, monogramme Scénic, et la partie inférieure du diffuseur avec des inserts décoratifs qui sont en gris satin. Et puis sur les parties latérales, on a cet appendice aérodynamique qui n'est pas là juste pour le design, mais aussi pour améliorer la circulation du flux d'air sur toute la partie latérale du véhicule. Sachez que pour 1000 euros, vous pourrez avoir accès à un dispositif d'attelage démontable qui vous permettra de tracter en non freiné 750 kg et 1100 kg en freiné. Aussi, un point très important, il n'y a pas moins de 40 kg de matériaux plastiques recyclés sur l'ensemble du véhicule. Dans le coffre, ouverture et fermeture du haillon motorisé électriquement. 545 litres d'espace dans cette configuration. Il y a un léger rangement sous le plancher du coffre dans lequel vous pourrez mettre vos câbles de recharge. Et banquette rabattue, car la banquette arrière est rabattable, forcément, vous aurez 1670 litres. Par contre, il y a une petite chose, un petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de plancher plat une fois que vous aurez rabattu cette banquette rabattable en 40-20-40. Il y a des crochets de maintien sur l'arrière, sur la partie droite, petite lumière et aussi l'accès à une prise 12 volts. Ça, c'est plutôt bien. Et d'autres crochets de maintien sont disponibles sur la partie inférieure. Et bien sûr, pour fermer le haillon, ça se passera juste ici. Au niveau de ses dimensions, longueur 4,47 m, largeur 1,86 m et hauteur 1,57 m. Alors sur la longueur, c'est plus 6 cm par rapport à l'ancienne génération. Mais sur la largeur, c'est moins 1 cm. Et surtout sur la hauteur, c'est moins 8 cm. On change clairement de type de véhicule. On sort de ce côté crossover monospace
de l'ancienne génération. Et là, on passe clairement sur du SUV. Sur son poids, 1918 kg sur la balance. Donc là, c'est plus 400 kg versus l'ancienne génération, bien sûr. Parce que là, on est sur une version électrique à cause du poids des batteries. Un poids des batteries sur cette version, c'est 530 kg. Mais sachez que par rapport à ses concurrents, il a un poids qui est plus faible, notamment grâce à l'utilisation de beaucoup de matériaux qui sont plus légers, comme sur les portes et sur le capot, de l'aluminium recyclé. Deux motorisations 100% électriques sont disponibles. Alors on a une première motorisation autonomie confort de 170 chevaux. Et celle que j'essaye, c'est la grande autonomie, donc 218 chevaux, 300 Nm de couple. Je vais revenir sur la partie de l'essai routier, sur les autonomies que j'ai réalisées. Elle est donnée à 16,8 kWh 100 km. Moi, entre un trajet entre la ville, Paris, des petites routes départementales et de l'autoroute, sur un trajet de 80 km, j'étais à 21,7 kWh au 100 km. Je vais revenir en détail sur la partie de l'essai routier, sur mes consommations par typologie de route. Alors on est sur un moteur synchrone à aimant permanent avec rotor bobiné sur le modèle que je vous présente. Transmission aux roues avant via une boîte automatique monorapport à réducteur. Il faut savoir que les performances, elles sont assez correctes. Vitesse max 170 km/h, 0 à 100 km/h sur cette version 218 chevaux, 7,9 secondes, ce qui est plutôt suffisant. Prix de base, 39 990 euros pour l'autonomie confort. Et la version grande autonomie fait 46 990 euros en prix de base. Donc que vous preniez la grande autonomie ou l'autonomie confort, si vous êtes en dessous des 47 000 euros, vous bénéficierez en 2024 de 4 000 euros de bonus écologique à l'acquisition pour les particuliers. Je parle bien pour les particuliers. Et la version que je vous présente, elle est disponible dans cette finition alpine avec la grande autonomie à partir de 51 190 euros. Bien sûr, il n'y a pas de malus écologique à payer sur ces véhicules puisque vous êtes à 0 g de CO2 émis par kilomètre. Forcément, c'est une voiture électrique. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors, j'ai réglé les sièges avant pour ma taille. Je vous rappelle, je fais 1m88 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de place, d'autant plus qu'il y a un réglage des sièges avant qui est assez bas et vous avez cette sensation d'être plus haut sur la banquette arrière. Donc on a une sensation d'espace qui est accentuée et qui du coup vous donne une excellente visibilité sur l'environnement du véhicule. Ça, c'est plutôt bien vu. Sur le confort, les sièges, très bon maintien, même au niveau du bas du dos. Donc là, vous serez confortablement accueilli dans ces sièges. Il y a de la place pour 4 grands adultes. Par contre, pour 5, ça va être un peu plus compliqué pour la personne qui sera sur la place centrale. Mais au niveau de l'assise et du dossier, on est vraiment très bien. On a peut-être un tout petit peu de manque de place au niveau des épaules pour les grands gabarits comme moi, parce que je sens que mes omoplates sont un petit peu engoncées. Mais sinon, l'assise et le dossier sont très bons. Chose à noter, on a sur notre esprit alpine une sellerie simili-cuir et tissu, avec des surpiqûres contrastées qui sont de couleur blanche et aussi bleue avec le bleu d'Alpine. Alors ce bleu d'Alpine, moi c'est une de mes couleurs préférées chez Alpine. Je trouve qu'une Alpine bleue, c'est splendide. Je trouve que l'esprit Alpine est super réussi sur ce nouveau Renault Scénic. Par contre, les moquettes en couleur bleu Alpine, ils n'étaient pas obligés. Perso, je trouve que ça dénote un petit peu, ça jure un petit peu. Le reste de l'habitacle est tellement bien réussi selon moi que cette couleur, il aurait peut-être fallu proposer une couleur complètement noire à installer en option. Alors si vous ne prenez pas l'esprit Alpine, vous n'aurez pas cette moquette de couleur bleu. Et c'est dommage parce que le bleu alpine, il est repris dans les inserts décoratifs de contreporte, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Là, pour le coup, c'est super beau. Pareil, l'intérieur en fait des contreportes, je vais vous le montrer après, reprend cette couleur bleue. Ça passe très bien sur les contreportes, mais je trouve que sur le sol, c'est pas très adapté. Poche aumônière dans les sièges avant, juste ici, il y a aussi des petits rangements en haut, sur la partie supérieure. Alors, ce qui est à noter sur les appuis-têtes arrière, ils sont durs comme du béton armé. Mais Renault a pensé une très bonne chose, il y a des appuis-têtes confort pour 85 euros seulement qui sont disponibles. Et moi, je les avais essayés dans le nouveau Renault Espace et ces appuis-têtes confort, ils sont exceptionnels. Ça me fait un peu penser aux appuis-têtes que vous pourrez retrouver dans une Maybach. C'est vraiment un compliment pour eux. Par contre, il faudra vraiment le prendre, cette petite option. On a un accoudoir central avec deux portes gobelets. Vous pourrez aussi mettre votre portable sans aucun souci grâce à ce système. Ça, c'est plutôt bien vu. On a deux prises USB-C qui sont juste ici. On a ce toit en verre panoramique qui n'est pas ouvrant. C'est le système Solar B avec 4 réglages d'opacité. Ça, c'est plutôt bien vu. C'est une option à 1500 euros sur cette finition. Esprit Alpine, il y a d'autres finitions ou cette série, mais là, pour le coup, il faudra débourser 1500 euros. Ce qui est aussi vertueux avec cette option, c'est que ça diminue aussi le poids
du véhicule. Là, on a un toit qui pèse environ 18 kg, c'est 8 à 9 kg de moins qu'un toit ouvrant panoramique avec un système motorisé, un moteur, etc. pour faire bouger le toit. On a ce ciel de pavillon qui est anthracite, en tissu, là aussi. Ça ajoute un côté un peu plus exclusif à l'intérieur du véhicule. On a deux aérations au centre qui sont orientables avec deux prises USB-C. Point positif, le plancher est complètement plat. Là aussi, c'est vraiment top. On trouve facilement sa position lorsqu'on est assis aux places arrière. Et enfin, sur les contreportes, alors on retrouve ces inserts décoratifs avec ce bleu alpine, ces inserts décoratifs chromés du simili-cuir avec ces surpiqûres contrastées. Alors, plastique dur hein, sur quasi l'ensemble de la contreporte, même sur le haut de la contreporte. En revanche, ça n'enlève en rien le design de ces contreportes qui est pour moi super réussi avec de la feutrine à l'intérieur et cette couleur bleue. Vous pouvez le remarquer, c'est moins choquant, trouve la feutrine dans les contreportes. Que la moquette qu'on retrouve au sol. Même constat sur les contreportes à l'avant, un design qui est assez sympa, toujours du plastique dur hein, sur la quasi-totalité de la contreporte, sauf que là, on a des inserts qui sont avec du simili-cuir et qui ajoutent un peu plus d'exclusivité sur la partie centrale de la contreporte et on retrouve aussi de la feutrine avec ce bleu alpine. Éclairage d'ambiance multiscène jusqu'à 48 couleurs. On a un système audio de série Arkham ici haut-parleur et en option pour 1000 euros. Ou de série sur finition techno-iconique. Vous aurez l'Harman Kardon 9 haut-parleurs 410 watts. Seuil de porte en aluminium avec lettrage Renault ou Alpine hein, sur la finition Alpine. Et on a un pédalier en aluminium. Les surtapis là sont badgés Alpine. Et on retrouve bien sûr hein, cette moquette bleue derrière les surtapis Alpine. Là on a des sièges typés sport sur la finition techno et esprit Alpine que j'essaye. Alors deux séries, vous aurez les réglages manuels en profondeur, inclinaison et hauteur. Et réglages lombaires électriques et chauffant sur notre finition. Alors sur le confort des sièges, ce que j'ai à noter, les sièges sont assez ferme, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont un excellent maintien, ça c'est sûr. On est sur des galbes qui sont assez prononcées sur les côtés, rien de dérangeant. On n'est pas non plus dans une voiture de sport avec un siège baqué. Mais en tout cas, vous pouvez le voir visuellement. Ça se joue pas trop au niveau de l'assise, c'est plus au niveau du dossier où là on sent un dessin sportif. Rien de dérangeant, je préfère le préciser, mais on sent que nos omoplates sont vraiment très bien calé, que vous n'allez pas bouger au fond de ce siège une fois que vous vous serez installé. L'assise ferme conviendra pour des longs voyages sans aucun souci. Autre point, on retrouve aussi ces appuis-têtes qui sont extrêmement durs. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que pour les normes de sécurité, les constructeurs français, mais aussi tous les autres dans le monde entier, doivent avoir des appuis-têtes qui ont une certaine fermeté pour protéger justement les occupants du véhicule. Après, vous pourrez ajouter ces appuis-têtes confort pour 85 euros aussi aux places avant, si vous le souhaitez. Mais bon, je tiens à préciser quand même que là, si vous gardez cela, et si vous souhaitez de temps en temps mettre votre tête comme ça, ne vous attendez pas à un confort de Maybach dans votre Renault Scénic E-Tech. On a un combiné d'instrumentation entièrement digitale et personnalisable, haute définition de 12,3 pouces, qui est inclus dans la dalle Open Air. C'est super lisible. Et en plus de ça, ils ont eu la présence d'esprit de proposer un affichage un petit peu nouveau, différent et agréable de ce qu'on a l'habitude de voir souvent dans pas mal de voitures avec des affichages très froids. Là, pour le coup, il y a pas mal de couleurs. Mais c'est pas dérangeant et vraiment, la lisibilité, vous y habituez au bout de quelques kilomètres, ce qui n'est pas toujours le cas chez certains de ses concurrents. On a un volant 3 branches qui est chauffant en textile, enduit, grainé, biosourcé et recyclé avec des inserts en alcantara à l'intérieur, juste ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, bien sûr, on a du simili-cuir avec des surpiqûres à l'intérieur de la jante du volant. Alors, à droite, on a la commande vocale. Le téléphone, vos favoris, la navigation dans l'écran d'instrumentation, plus le bouton Multisense qui est juste ici. Et puis sur la gauche, l'ensemble des aides à la conduite. Ça, c'est plutôt pas mal et surtout, elles sont facilement compréhensibles lorsqu'on commence à conduire le véhicule. Et puis, on a des palettes derrière le volant pour la récupération d'énergie qui est réglable sur plusieurs niveaux. Je vais y revenir sur la partie de l'essai routier. Le levier de vitesse, il est derrière le volant, un peu comme sur pas mal de Mercedes. Alors, ça, c'est bien. Ça vous évite d'avoir un levier de vitesse sur la console centrale. OK. Mais, il y a un mais, c'est que souvent dans les manœuvres, quand je passais marche avant, marche arrière, j'ai déclenché les essuie-glaces. Alors, c'est un coup à prendre, mais en fait, le levier de vitesse et le commodo d'essuie-glaces sont tellement proches, ils sont à peu près à 7-8 cm, que souvent au début, on ne fait pas gaffe, on enclenche la marche avant, et puis ça balance les essuie-glaces. Alors aujourd'hui, c'était super, il pleuvait, mais s'il fait un plein soleil, ça ne va pas être la même. Petit bémol, bon, moi j'ai un peu de mal avec ça, c'est le commodo pour le système audio. Pourquoi ils ont repris ce genre de commodo très disgracieux alors qu'aujourd'hui on peut avoir des commandes sur le volant qui s'intègrent parfaitement. Là aussi c'est un petit peu dommage. En fait la voiture elle est tellement réussie sur plein d'éléments que bah, désolé hein, pour les designers de Renault, mais c'est vrai que ce commodo
on ne peut pas dire qu'il soit très bien intégré et harmonieux avec le reste du poste de conduite. Franchement, j'aurais pas dit ça de l'ancien Scénic, mais alors là, il est super réussi. Beaucoup d'aide à la conduite de série, le freinage automatique d'urgence urbain, interurbain et intersection avec la détection des voitures, piétons et cyclistes. On a le système de surveillance de l'attention du conducteur. Et pour 1000 euros sur notre finition, vous aurez le pack Augmented Vision et Advanced Driving Assist. Et là, vous aurez avertisseur d'angle mort et détection arrière avec correction trajectoire d'urgence, le freinage d'urgence en marche arrière et aussi l'Active Driver Assist avec la conduite semi-autonome de niveau 2. Donc là, vous aurez régulateur de vitesse adaptatif plus maintien dans la voie. On a le rétroviseur intérieur numérique grâce au pack d'assistance que je viens de vous citer. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Planche de bord en textile biosourcé et recyclé de série, qui est enduit, grainé avec des surpiqûres contrastées qui sont de couleur bleue, hein, qui reprennent le bleu des inserts décoratifs sur les contreportes d'ailleurs. Il y a un très beau dessin. La planche de bord est vraiment superbe. Alors ces inserts décoratifs dégradés bleus, ils sont sur Esprit Alpine hein, seulement. L'écran d'infos divertissement. C'est l'Opener Link 12 pouces tactile qui est intégré dans cette dalle hein, qui comprend la navigation Google intégrée. Vous avez planificateur de trajet embarqué via Google Maps en tenant compte des besoins de recharge. Ça, c'est super pratique. Vous avez aussi le Google Play sur lequel vous pourrez télécharger plusieurs applications comme Waze, Android Auto, Apple CarPlay sans fil de série. Et surtout, il est très simple d'utilisation. Bah, je l'ai utilisé pour venir ici. Autant sur certaines anciennes Renault, l'infodivertissement n'était pas au top. Autant là, il est hyper réactif. Caméra 3D Vision 360 avec parking main libre grâce au pack d'assistance pour 1000 euros. Donc lorsque vous allez enclencher en fait la marche arrière, vous aurez cette vue aérienne avec la caméra de recul qui va éclairer ce qui se passe derrière le véhicule. Là, on a la vue aérienne et la vue 360 degrés et vous pourrez tourner tout autour. Ça, c'est plutôt pas mal. On a des boutons physiques pour le réglage de la climatisation bizone. On a aussi les warnings juste ici, le verrouillage centralisé avec cette commande. Juste en dessous, on a le chargeur induction avec deux éléments en caoutchouc qui permettent de bien caler votre portable lors des phases de décélération ou de forte accélération. Et ça, c'est pas un gadget. Juste en dessous, on a un très grand bac de rangement qui est modulable. Ça, c'est plutôt bien vu avec un porte-gobelet. Et ici, on a un accoudoir central coulissant avec rangement et deux prises USB-C. Et le rangement est d'ailleurs assez profond. L'intérieur est juste beaucoup, mais alors beaucoup plus réussi que l'ancienne génération. Je trouve que l'ergonomie est agréable et surtout, c'est axé vers le conducteur du véhicule. J'aurais pas pensé dire ça un jour, mais dans ce Scénic, je vous assure, on sent assez bien. Place maintenant à l'essai routier avec une pluie diluvienne depuis 8h du matin aujourd'hui. Et ça m'empêche pas d'essayer cette nouvelle version du Scénic E-Tech 100% électrique. Ça, c'est une vraie première chez Renault sur cette gamme Scénic. Il y a encore quelques années, l'électrification n'existait même pas sur les Scénic. Alors, premier élément dont je souhaitais vous parler, c'est bien sûr ces suspensions. Pas de suspension adaptative ou même pneumatique sur cette nouvelle génération, cette cinquième génération du Scénic. Et pour autant, malgré une prise de poids importante, plus de 400 kg par rapport à l'ancienne génération, il s'avère très confortable. Il faudra vraiment l'emmener sur des routes avec beaucoup de défauts sur la chaussée, des trous, etc., des aspérités profondes pour ressentir une différence, une évolution négative dans le poids avec cette prise de masse. Mais il reste super confortable, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on a une très bonne répartition des masses grâce à un positionnement des batteries dans le plancher du véhicule, ce qui fait que même dans le sinueux, lorsqu'on commence à hausser le rythme, le véhicule reste sain. Là aussi, c'est plutôt une bonne chose. Et l'insonorisation à basse vitesse, je dis bien basse vitesse parce que j'ai retenu qu'à 130 km/h sur autoroute, sur la baie de pare-brise, on avait quelques bruits aérodynamiques qui étaient générés. En tout cas, sur des petites évolutions dans des villages et des routes départementales et nationales, l'insonorisation est très bonne. Ensuite, sur le freinage. Freinage que j'ai trouvé assez mordant, plutôt précis. La voiture réagit bien. Il y a un bon agrément de conduite. Si je la compare à ses concurrentes, je vais le faire en fin de vidéo, mais le Peugeot i3008, par exemple, qui est vraiment une très bonne voiture, pareil, tenue de route quasi irréprochable. Là, on a un poids qui est plus contenu que ses concurrents sur le Scénic E-Tech. Et du coup, ça lui bénéficie grandement sur l'agrément de conduite, sur son agilité, sur sa capacité à continuer à être efficace, même lorsqu'on commence à hausser le rythme de manière exagérée.
L'agrément de conduite, il est assez étonnant pour un SUV 100% électrique. Hein. Je dis bien pour un SUV 100% électrique, qui sont souvent décriés pour leur masse trop importante. Freinage est bon. La direction également, je l'ai trouvé assez communicative et précise, sans être de la précision d'une voiture de sport. Ce n'est pas ce qu'on lui demande de toute façon, hein. C'est un véhicule familial. La direction est communicative, mais sans trop. Donc, on bénéficie toujours de cette philosophie de voiture familiale lorsqu'on est au volant de ce nouveau Scénic. Sur la direction, il y a une chose très intéressante à retenir. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. 10,9 mètres de diamètre de braquage seulement. Donc là, on est sur le diamètre de braquage d'une Renault Clio. C'est plutôt une excellente nouvelle pour ceux qui utiliseront cette voiture dans des espaces étroits ou dans les zones urbaines ou périurbaines même. Alors, le freinage, vous avez bien sûr, comme c'est un véhicule 100% électrique, un système de freinage récupératif qui est réglable sur pas moins de 4 niveaux. Alors, clairement, si vous souhaitez jouer l'éco-conduite et essayer de battre des records d'autonomie avec votre Scénic E-Tech, là, vous pourrez le faire, mais il faudra bien sûr jouer avec le mode de conduite éco. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais surtout avec l'intensité du freinage récupératif qu'il faudra mettre sur l'intensité la plus forte. Le principe de ce freinage récupératif, c'est que lors des phases de décélération et des phases de freinage, ça va en fait emmagasiner de l'énergie, avec l'énergie cinétique qui est créée lors de ces phases de décélération, et ainsi augmenter votre autonomie. Moi, je ne suis pas un grand fan de mettre le réglage du freinage régénératif sur le niveau le plus élevé, car à la conduite, c'est un peu particulier. Dès que vous commencez à lever le pied de la pédale d'accélérateur, le véhicule va en fait appliquer un quasi-freinage et du moins, la décélération va être beaucoup plus prononcée que si vous levez le pied de l'accélérateur sur une voiture thermique. Bon, après, ça, ce sera à vous de choisir. Sur les modes de conduite, vous avez un bouton périphérique multisense, un peu comme sur les Ferrari ou les Porsche, hein, rien que ça, qui est présent en bas à droite du volant. Alors, ça vous donne accès à plusieurs modes de conduite. Vous avez éco, sport, perso et aussi confort. Ces modes de conduite, ils vont agir sur l'affichage de l'écran d'instrumentation. Ils vont aussi agir sur le réglage de la climatisation et la réactivité de la pédale d'accélérateur. Alors, ça reste un Scénic et ça reste un moteur de 220 chevaux avec 300 Nm de couple. Donc, vous n'allez pas être collé au siège à chaque accélération. Et j'ai noté qu'il n'y avait pas une différence ultra marquée entre les différents modes de conduite. Bon, après, bien sûr, en mode de conduite sport, vous allez avoir un petit peu plus de réactivité, mais c'est pas non plus hallucinant. Voilà. Ça va pas transfigurer le caractère moteur du véhicule, mais ça, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Sur les aides à la conduite, donc régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, ce que j'ai noté sur autoroute, c'est qu'elles sont pas très intrusives, plutôt précises, en tout cas pas du tout dérangeantes pour évoluer sur plusieurs centaines de kilomètres, et ça, c'est plutôt un bon point. Je me plains souvent de la réactivité des aides à la conduite et de leur intervention. Mais là, honnêtement, il n'y a pas trop de soucis. On a aussi une pompe à chaleur de série qui est associée à un système de gestion thermique. Cet ensemble, il va permettre en fait de gérer la chaleur sur la batterie et le moteur. Et surtout, à partir de la chaleur qui va être générée par la batterie, de prendre cette chaleur et pour pouvoir la mettre dans l'habitacle du véhicule sans avoir à utiliser le système de chauffage du véhicule. Et ainsi, vous pourrez faire des économies, bien sûr, sur l'utilisation de la batterie. Et vous pourrez effectuer plus de kilomètres avec une charge. La consommation annoncée en moyenne, c'est de 16,8 kWh au 100 km. Alors dans les faits, sur les parties urbaines, elles respectent une autonomie super élevée. Donc vous ferez plus de 600 km en ville sans trop de soucis. Dès qu'on commence à faire du mixte avec des routes départementales nationales, bon là on voit que ça commence vraiment à bien monter. Donc vous allez monter à 18 kWh au 100 km, à peu près peut-être 19 kWh au 100 km sur des routes à 70-80 km/h. Bien sûr, sur des routes à 110, bah là, ça va encore un petit peu monter. Là, j'ai fait un parcours, je vais vous montrer à l'écran, 129 km aujourd'hui. Je suis à 22,7 kWh au 100 km, ce qui est plutôt correct, sachant que j'ai fait essentiellement de l'autoroute A13 pour arriver en Normandie pour réaliser l'essai. 22,7 kWh, donc en gros, vous ferez à peu près 340-350 km sur de l'autoroute, mais sur du mixte, vous serez à 500 km, et sur de la ville, de l'urbain pur uniquement, vous ferez plus de 600 km. Bon, là, on arrive au péage. Heureusement, j'ai mon pass télépéage Ulysse. Ça, c'est bien pratique hein, pour ceux qui ont l'habitude de pas mal utiliser l'autoroute. Je vous assure, ça vous fait gagner du temps quand il y a du monde. Surtout, vous pourrez aussi l'utiliser dans pas mal de parkings, ces passes télépéage Ulysse. Donc en gros, vous arrivez dans le parking, vous avez votre badge en haut du pare-brise
et vous n'avez pas besoin de sortir votre carte bleue ou même du liquide pour régler. Ça, c'est pratique. Mais c'est surtout au péage où là, on gagne beaucoup de temps, notamment pour les départs en vacances grâce à ces petits passes Ulysse. Ils sont disponibles à partir de 2 euros par mois seulement. Et les mois où vous ne les utilisez pas, vous n'êtes pas facturé de ces 2 euros. Ça aussi, c'est un bon point. Et pour ceux qui ont des entreprises ou qui sont en profession libérale, ben, vous pourrez récupérer vos factures directement dans l'application Ulysse. Ça aussi, c'est super pratique. Sur le moteur, 0 à 100 km/h, 7 secondes 9, 170 km/h en vitesse de pointe. Alors, moi, je trouve que pour un véhicule familial, c'est bien assez. Peut-être que le moteur de 170 chevaux, je ne l'ai pas essayé, mais en revanche, les 220 chevaux du modèle que j'essaye sont, pour moi, pour ce type de voiture, amplement suffisants. Les reprises sont bonnes, les accélérations aussi. Les performances sont plutôt bonnes sur une voiture à vocation familiale. On a une voiture qui est saine, un bon équilibre, une direction communicative, une autonomie sur route secondaire, route départementale nationale et aussi sur des zones urbaines plutôt élevées, voire même très élevées par rapport à la concurrence. Est-ce que pour autant, ça va lui suffire, toutes ces qualités dynamiques, notamment sur son agrément de conduite et sur son agilité pour prendre la première place de son segment? Vous allez voir qu'il y a d'autres critères qui vont rentrer en compte forcément. Mais ça, je vais avoir la réponse d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Renault Scénic E-Tech 100% électrique. C'est une première pour cette cinquième génération. Parmi ses défauts, j'en ai listé pas mal. Alors déjà, pas de version 7 places, comme sur l'ancienne génération. Il faudra pour cela aller sur le Renault Espace, qui lui propose les 7 places. Puissance de recharge maximum, 150 kW. Alors si vous habitez en ville ou zone périurbaine, ça ne posera pas de souci. Par contre, ceux qui font de grands trajets de manière régulière, 150 kW, il vous faudra environ 35 minutes pour passer de 25 à 80% de la charge. Ça commence à faire un petit peu. Autre défaut que j'ai noté, la couleur des moquettes dans l'habitacle, le bleu alpine. Je reviens dessus, mais j'ai un petit peu de mal. Heureusement, toutes les finitions on passe bleu sur le sol, donc vous pourrez vous consoler avec d'autres finitions et surtout d'autres coloris sans aucun souci. Et puis l'autonomie sur autoroute qui m'a un petit peu déçu, je m'attendais à plus. Là vous ferez environ 340 km sur l'autoroute à 130 km/h, mais difficilement plus, faut quand même le noter. Et enfin, dernier défaut, les appuis-têtes qui sont extrêmement durs. Il faudra opter pour l'option à 85 euros pour avoir les appuis-têtes confort. Parce que aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ça c'est un petit peu son défaut, alors que le véhicule est confortable. Heureusement, il a des qualités, je vous rassure. Déjà, une très bonne autonomie en parcours mixte, vous ferez 500 km. En ville, plus de 600 km. Moi, je l'ai utilisé dans Paris. Franchement, je voyais la jauge d'autonomie ne pas descendre au bout de quelques dizaines de kilomètres, ce qui est plutôt rare sur les voitures électriques en 2024. Vous avez un toit Solar Bay, super agréable, avec 4 degrés de réglage de l'opacité. Ça, c'est assez sympa, notamment lorsqu'il y a des fortes luminosités ou sinon lorsque vous avez des taux d'ensoleillement assez faibles. Ça vous permet de profiter de la lumière extérieure. C'est assez variable et intéressant. Autre point positif, c'est son agrément de conduite. Le véhicule est léger pour un SUV 100% électrique, moins de 2 tonnes. Et du coup, ça bénéficie à son dynamisme sur route. Il est super agréable à faire évoluer, quel que soit le type de route, surtout les routes sinueuses sur lesquelles vous serez en train d'évoluer. Ce que j'ai aussi noté parmi ses qualités, c'est bien sûr le design. Il est super réussi. J'étais pas fan du tout de l'ancien, mais alors là, celui-ci, pour le coup, je sais pas vous dire que niveau design, il est sans défaut. Mais il sera difficile à critiquer, clairement. Tant le design extérieur, mais aussi dans l'habitacle, a été bien travaillé et surtout réussi, il faut le dire, par les équipes du design de Renault. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Renault, les amis. Je dis ce que je pense dans la vidéo à chaque fois. Et là, clairement, je ne peux pas dire le contraire. Renault a super bien réussi cette nouvelle génération. Et enfin, le prix. Avec le bonus écologique en dessous des 47 000 euros sur les premières versions. Donc là, vous pourrez bénéficier de 4 000 euros de bonus écologique avec un véhicule 100% électrique qui fait plus de 600 km annoncé par le constructeur. Bon, ça fait quand même pas mal de qualité, mais aussi pas mal de défauts. Est-ce que ça va lui suffire et lui permettre d'accéder à la première place parmi les SUV compacts 100% électriques? Rien n'est si sûr. Vous allez voir pourquoi. J'ai pris 4 critères pour le confronter à tous ses concurrents. Le premier, c'est le design. Bon, sur le design, clairement, son seul concurrent direct, pour moi,
Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord. C'est le Peugeot i3008 de dernière génération qui est super réussi. Alors, j'avais fait l'essai du Peugeot i3008 et quand j'ai conclu, je le mettais là aussi en concurrence avec le Renault Scenic E-Tech de dernière génération. C'est difficile de les départager. Sur le design extérieur, si je me concentre juste sur l'extérieur, tant les designers ont fait un super boulot. Donc je vais les mettre premier ex aequo, c'est ce que j'avais fait dans l'essai du Peugeot i3008. Dans l'habitacle, l'habitacle est super sympa. Alors si je le compare dans l'habitacle au niveau du design au Peugeot i3008, peut-être que le i3008 apporte un peu plus de disruption. Alors après, il sera sans doute plus clivant. Je pense que le Renault Scenic E-Tech arrivera à vous apporter plus de consensus et il plaira sans doute à plus de monde, mais ce de manière moins marquée que le Peugeot i3008 quand ce sera le cas. Deuxième élément, c'est le prix. En base, il est moins cher que tous ses concurrents, que le Nissan Ariya qui est à 43 000, Volkswagen ID.4 qui est à 43 900, le Peugeot i3008 lui est à 44 990, Tesla Model Y pareil, et le Skoda Enyaq Coupé 55 780. C'est le moins cher, hein, tout simplement. Sur l'autonomie, 625 km en mixte. Bon là, c'est plus que tous ses concurrents. Hein. Quand ses concurrents comme l'ID.4 sont à 364 km, Nissan Ariya 536 km, Peugeot i3008 552, Skoda Enyaq Coupé 560 et Tesla Model Y grande autonomie 600 km. Donc là, c'est son gros point fort hein, sur le papier par rapport à la concurrence. Sur ses performances, 220 chevaux. Donc c'est plus que le ID.4 de Volkswagen et que le Peugeot i3008 qui a 210 chevaux. Mais c'est moins que le Nissan Ariya et que le Tesla Model Y grande autonomie qui a environ 275 chevaux et le Skoda Enyaq 4 coupé qui a 200 85 chevaux, mais c'est pas au niveau de ses performances qui va se démarquer, hein. C'est plutôt sur son agrément de conduite notamment et son autonomie. Et sur son coffre, c'est plus que le Nissan Ariya et que le Peugeot i3008 et aussi que le Volkswagen ID.4, mais par contre c'est moins que le Skoda Enyaq Coupé qui a 570 litres et moins que le Tesla Model Y qui a 800 74 litres. Mais Tesla prend aussi en compte le volume sous le plancher, donc pas vraiment comparable. En tout cas avec 545 litres, il a un très bon volume de coffre par rapport à ses concurrents. Bah une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il peut arriver à la première place dans ce segment? Son plus grand concurrent, vous le savez, pas besoin de le repréciser, mais je vais quand même le faire, c'est le Peugeot i3008. Là où le Renault Scenic E-Tech peut mettre une claque et peut faire peut-être un petit peu la différence, c'est sur son design extérieur. Il est superbe. Et l'intérieur, comme je vous le disais, créera plus de consensus, donc plaira sans doute à plus de monde que le Peugeot i3008. Moi, j'adore par exemple l'intérieur du Peugeot i3008. J'ai montré la photo à des collaborateurs de travail. Et eux, par exemple, il y en avait un sur deux qui n'aimait pas du tout. Alors que celui-ci met un peu tout le monde d'accord, même s'il est un peu moins disruptif, l'intérieur du Renault Scenic E-Tech. Point fort, le design. Le deuxième grand point fort, c'est son autonomie. Clairement en ville, plus de 600 km, en mixte, environ 500 km, même si sur l'autoroute, il pêche un petit peu, mais ça, c'est le cas de tous ses concurrents. Sur autoroute, vous faites 340-350 km avec un SUV compact 100% électrique. Troisième point fort de ce modèle, je trouve, c'est le confort intérieur et l'habitabilité intérieure. Il est dans une fourchette assez haute par rapport à ses concurrents, avec un élément plutôt cool, c'est le Solar Bay. Ce toit avec une opacité réglable sur 4 niveaux. Je pense que quand on va faire le choix de son SUV 100% électrique, les deux principaux critères qu'on va regarder, pour moi, c'est le design et l'autonomie. Et sur ces deux points, bah, il est en haute fourchette. Donc après, ce sera une sensibilité qu'on a par rapport à l'attractivité de son dessin, de son esthétique, de son design. Il y a fort à parier que la bataille va être complètement fratricide, clairement, hein, entre Peugeot et Renault dans ce segment. On verra à la fin de l'année 2024 lequel des deux aura gagné. Mais alors là, c'est difficile de les départager, je vous assure. À mon avis, je ne vais pas vous dire premier ex aequo, il y en a forcément un qui va passer devant l'autre. Peut-être que le Peugeot i3008 prend plus de risques niveau style et que ça va empêcher le nouveau Scenic de passer devant. Franchement, ça ne va pas jouer à grand-chose. En tout cas, ceux qui veulent vraiment beaucoup d'autonomie, ils prendront le Renault Scenic E-Tech. Ça, c'est une certitude. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, d'activer la cloche de notification. C'est chaque vendredi à 17h, je diffuse une vidéo. Donc abonnez-vous. C'est grâce à vous hein, que j'arrive à faire toutes ces vidéos, que ce soit sur des véhicules assez concernants, à grande diffusion comme ce Renault Scenic E-Tech, mais aussi sur des voitures beaucoup plus rares. Donc je tenais vraiment à vous remercier infiniment là-dessus et au nom de toute mon équipe d'ailleurs. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez vous abonner. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.